Bonjour à tous, c'est DuckMixer de Mainpeel.fr pour le deuxième tutoriel de cette petite série visant à mieux maîtriser Cinema 4D pour faire des modèles 3D thématiques Minecraft. Alors je reprends directement de là où on s'était laissé. On avait donc un cube dont on pouvait facilement changer la texture. Donc je vais revenir sur d'ailleurs la texture de base de Minecraft, le terrain.png. Donc on a un premier bloc ici de pierre, dont le rendu est assez laid ici, mais quand on fait le rendu final, éclair. Le rendu éclair parce qu'ici dans le sampling on a mis known. Maintenant ici ce serait quand même sympa de pouvoir le voir correctement, même dans le rendu. Donc ça c'est quelque chose que je viens de découvrir. Faut juste que je le retrouve. C'est dans le display, on met Announced OpenGL. Et donc là on a directement le visu de ce qu'on aura au final. On peut travailler maintenant. Donc le coffre, je vais le cacher. Alors, dans Cinema 4D, vous avez un certain nombre de choses. Vous avez la flèche pour activer ou non les objets quand ce sont encore des objets paramétriques. Et quand ce sont des objets normaux, vous avez le visualisateur et le rendu. C'est-à-dire, en vert, vous obligez sa visibilité. En rouge, vous le cachez. Là, vous faites un rendu. Il est censé être caché, mais c'est uniquement dans votre visualisateur. Et le deuxième, il sera invisible aussi dans le rendu. Donc, c'est un bon moyen de mettre de côté. Ma petite pierre. Je vais la remettre, donc je vais prendre ces coordonnées, je vais la remettre en 0, 0, 0, on va pouvoir continuer. Alors, j'ai ma pierre, on va tout de suite faire un deuxième objet. Je vais copier-coller, hop, en gardant Shift appuyé, vous pouvez le bouger, donc je peux directement le bouger de 200. Voilà, on va y arriver, 200. Et là maintenant on va faire une autre. Donc on garde, le principe c'est de garder le fameux matériau de base, donc ça on va appeler ça le terrain.png. Et on va le déplacer pour que, en fait, on va déplacer la texture sur le cube pour arriver à une deuxième fenêtre. C'est-à-dire, dans le terrain PNG, vous aviez, si vous vous souvenez bien, vous avez l'herbe, bon, mais vous avez surtout après la pierre, la terre, etc. Donc, nous, on va juste déplacer la texture sur les axes pour arriver à montrer autre chose. Donc, on sélectionne de nouveau le tag. Et ici, dans l'offset, on va le changer. Alors si on fait un offset de 5, vous voyez, on le déplace un tout petit peu. Vous voyez de toute façon qu'on le déplace du mauvais côté. On le déplace du côté inverse, on voit déjà le sapling, ce qui arrive. Nous, on va le déplacer de l'autre côté. Donc ça va être moins quelque chose. Moins 15, moins 50. Vous pouvez voir qu'il y a nettement une texture ici qui est aussi grise. En fait, celui-là qu'on avait vu là, c'était pas de la pierre, c'était de l'herbe qui était coloré en grise, parce qu'avec Minecraft on a les biomes qui colorisent l'herbe. Donc bon, c'était en fait de l'herbe. On va mettre moins 100%, et si vous mettez moins 100%, vous voyez qu'on est bon. On n'a qu'à tester moins 200, on a que de la terre. Pourquoi? Parce qu'ici on est à 1600%. En fait on a bien notre valeur par 16. Mais en fait, 100%, en fait, si vous faites une petite division, là, vous voyez qu'on a moins 2 sur 16. En fait, on est vraiment à 2, la case 2 sur 16. Ici, on travaille avec des coordonnées spatiales. En théorie, c'est X, Y et Z, hein, mais ça, c'est pour le placement. Pour les textures, on appelle ça le U, le V, potentiellement aussi le W. Donc, nous, on travaille avec U et V. On va donc mettre... On va garder le moins 200 pour la terre, et par contre le premier, pour que ce soit vraiment de la pierre, on va mettre tout simplement moins 100. Donc là on a vraiment de la pierre et de la terre, de la dirt. On va encore copier-coller pour en faire une autre quelques cases plus loin. Si on met ici moins 300, vous voyez qu'on a de l'herbe, mais qui est un petit peu mal gaulée. En fait, elle prend la texture de l'herbe sur le côté, mais elle les met partout. Bon, on va laisser pour l'instant, j'en fais encore deux autres, des blocs. Copier-coller. 200 cm de distance, vu que c'est la largeur d'un de mes cubes. Donc, ça c'était grass. Et ici, on va mettre moins 400. On a du bois, c'est déjà pas mal. On va rester à ça pour l'instant. On va juste encore s'occuper de l'herbe, qui est un petit peu différente. Donc ça, ce sont des planches. Et pour l'herbe, comme nous l'avions déjà vu, il faut un petit peu changer certaines textures. Donc on va devoir casser le cube en le convertissant en mèche en appuyant sur C. Tac. Et ici, on va devoir
mettre une autre texture. En fait, on va laisser la même. C'est ça un petit peu la technique. C'est donc on va sélectionner le cube du dessus, on lui réapplique notre texture terrain.png et vous voyez qu'elle a le même problème qu'on avait au tout début, c'est-à-dire il nous la met en entier. On a juste besoin de refaire toute notre bidouille et de sélectionner autre chose. En l'occurrence, c'est de sélectionner l'herbe vue de dessus. Le problème qu'on a ici dans Minecraft, c'est que l'herbe vue de dessus, c'est censé être celle-là qui est colorée. Donc on va faire un petit test, on va essayer de le coloriser en direct, sinon il faudra utiliser l'autre technique, c'est-à-dire prendre une autre texture 16 par 16 avec l'herbe verte pour l'appliquer dessus, ou alors sélectionner, ou alors ici dans votre terrain.png, vous mettez, prenez l'herbe en verte, ce que je fais généralement. Alors ici, on a donc notre projection, on est en cubique, on a besoin d'une largeur de 1600 pour la notion de 16 par 16, et là on a vraiment notre dessus d'herbe. Par contre, on a un petit problème de couleur. Donc là, pour le problème de couleur, je vais voir si je peux le changer à la volée. Je vais prendre une deuxième texture en disant que ça va être mon terrain 2. Et voir si on peut changer des choses dedans. Alors, je pense pas que ce soit la bonne solution, en fait. Ouais, on peut changer, non, on peut changer l'exposure, le gamma, donc c'est-à-dire des couleurs de base, mais on peut pas vraiment changer ce que je souhaite. Bon, c'est pas grave. On va faire autre chose, on va sélectionner une texture que j'avais déjà faite qui a la même taille mais qui contient l'herbe en verte. Donc j'imagine que c'est celle-là. Voilà, bon, c'est quasiment la même chose, mais en tout cas vous avez l'herbe verte, donc ça, à vous de faire cette petite manip. Et tout en bas par contre, ça c'est simple, on a juste besoin de faire une sélection de nouveau. Donc je sélectionne ça, on met notre terrain. Par contre, il y a juste besoin de refaire de nouveau les mêmes manipulations et de mettre de la terre. Donc vous pourriez presque copier-coller celui-là de votre dirt et l'appliquer à la sélection. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'on va faire. Alors, vous faites un drag and drop, mais pour pas l'enlever de l'endroit où il est, vous appuyez sur CTRL en même temps et vous le sélectionnez. Bon, je suis obligé de supprimer, de resélectionner celui-là que je veux bien qui est ma terre et de l'appliquer à ma sélection que du sol. Donc voilà, là maintenant j'ai bien en dessous uniquement le sol, sur les côtés de l'herbe, sur le dessus de l'herbe pure. On est pas mal, je vais en faire un dernier. Et on va avoir les 5 dernières minutes pour faire un petit essai de rendu. 200. Et cette fois-ci, j'ai envie de prendre... Allez, on va être moins 200. Par contre, on va faire aussi de l'autre côté en V, quelque chose de moins 100 ou moins 200. Ben voilà, j'ai pris moins 200 et moins 200. Donc cette fois-ci, on bouge aussi sur l'axe en profondeur. Et on a ça. Oups, voilà, donc là on est pas mal, on a nos différents cubes. On a nos différents cubes. Alors, ce que j'ai déjà envie de faire, pour les gérer plus facilement, je vais les mettre dans un seul groupe. Alors je les sélectionne avec Shift. Bon, moi j'ai un petit raccourci pour créer une null object en mettant Alt-G. C'est quelque chose que je recommande de faire, c'est assez simple. Mais si vous ne l'avez pas, il faut en fait que vous puissiez créer une null, c'est-à-dire un objet neutre qui n'existe pas en fait, qui sert juste de référence, et que je ne sais jamais où le trouver. C'est assez ennuyeux. C'est assez ennuyeux, voilà, ici, null dans les objets. Vous créez votre null, vous mettez vos objets dedans. Et quand vous sélectionnez votre null, ben vous sélectionnez tous vos objets. Voilà, ça c'est simple. Alors pour le déplacement, il faut prendre cet petit outil-là, vous gardez objet, vous avez votre déplacement, voilà, vous pouvez le déplacer comme vous voulez. En l'occurrence, on sait que notre cube fait 200 de hauteur et qu'il est au milieu. Donc d'ailleurs, vous pouvez le constater, alors quand je clique avec la molette de la souris sans de faire aucun déplacement, je passe de ma vue principale à des vues sur le côté, quand je clique dessus, je peux passer une nouvelle vue sur le côté. Donc on voit qu'ici, je suis bien au milieu de ma ligne. Je vais le monter, si je garde Shift appuyé, j'ai besoin de faire 100, la moitié, pour le poser vraiment au niveau du sol. Donc là, je suis sûr que mes cubes sont bien placés. Je vais leur créer un sol. Donc dans mes objets de base, j'ai un plane. Sinon, si vous voulez un sol infini, ça existe aussi dans mes paramètres là, floor. Je vais créer un petit floor. Vous avez l'impression qu'il est limité, mais en fait, il va partout. Celui-là, il est placé, bien placé de base. Voilà, donc là, on a un petit début. Si vous faites un rendu avec Homer, vous avez vos cubes qui sont posés là, c'est un petit peu plat. Ce que Cinema 4D fait de base, c'est qu'il vous met une fausse lumière pour que vous puissiez voir quelque chose. Donc ça, on va le changer dans vos paramètres de rendu, ici.
D'ailleurs, j'utilise pas MR pour le rendu, mais c'est ce bouton sinon. Hein. Dans les paramètres de rendu, vous allez dans les options, et de base, il vous met une default light que vous allez désactiver. Et si vous allez désactiver, que vous faites le rendu, a priori, vous voyez rien parce que vous n'avez pas de lumière. C'est exactement ce qu'on veut. Alors, là, pour cette fois-ci, je vais vous montrer quelque chose de très simple, qui nous sert pour faire des images fixes, mais qui ne va pas nous aider pour l'animation pour certaines raisons. Mais en tout cas, ça va nous permettre de faire un rendu sympa. Donc, on va éclairer le tout. Pour éclairer le tout, on a plusieurs méthodes. Celle que je vais vous montrer là, comme dit, ça marche bien avec les images fixes, ça va être d'utiliser l'illumination globale. L'illumination globale, c'est de la lumière, on calcule la lumière d'une manière réaliste. Donc, dans mes paramètres, je mets en effet l'illumination globale. Rien que là, non, on verra rien parce que j'ai pas de lumière. D'ailleurs, vous voyez qu'il met beaucoup plus de temps. Donc c'est un petit peu le problème de ça, c'est pour ça qu'on l'utilise pour les petites images, mais pas pour les rendus d'animation. Et on va utiliser une lumière. Alors pour la lumière, on va en créer une simple. Vous pouvez prendre une bête lumière style light, tout bêtement. Il faut juste la déplacer pour faire un rendu. Et vous voyez quelque chose, c'est pas super terrible. C'est un petit peu le problème de tout ça, faut mettre quelques petites choses. C'est tout un travail en fait, la lumière. Il nous reste une minute, on va se dépêcher. Dans mes paramètres de base d'une lumière, dans les générales, vous avez le type omnidirectionnel, elle envoie la lumière partout, mais vous avez les shadows. Donc là, vous allez mettre shadow soft ou hard. Si vous refaites votre rendu, de base, vous allez avoir déjà quelque chose d'un petit peu mieux. Bon, là maintenant, donc là, c'est déjà un petit début. Pour un peu plus de réalisme, si vous voulez, vous pouvez faire en sorte qu'il y ait des ombres entre les objets. On appelle ça l'ambient occlusion, c'est ce qu'utilise Minecraft d'ailleurs, pour calculer les ombres. C'est-à-dire plus des objets sont proches les uns des autres, plus des ombres vont se créer là. Vous voyez qu'il y en a déjà plus près du sol. Bon, c'est pas obligatoire, ça rajoute un peu de temps de calcul, c'est à vous de voir. Ce que je vais faire pour que le tout soit un petit peu mieux, on va créer plusieurs lumières. Donc moi, la technique que j'utilise, alors ma lumière, je vais la remettre à 0 et on va la mettre à 600 de hauteur. Par contre, je vais en créer plusieurs autour, faire un anneau de lumière, en fait, on appelle ça light rig. Et pour ça, on va utiliser un array, c'est-à-dire d'en mettre plein. Nano. Quand je mets ma lumière au niveau dans mon array, c'est-à-dire qui est lié, qui est le fils, mon array, je peux le déplacer, ça va tout déplacer. Les lumières, si je les déplace, ça déplace rien du tout. Ce qui est logique. Puisque c'est vraiment mon array qui contient les lumières. Mon array, je peux le monter. Et dans mes propriétés, on a le radius. Donc là, on va les étirer. Voilà. Ouais, alors il me reste une minute, on va se dépêcher. Si je monte mon array, on a donc mes différents cubes. Vous voyez que la lumière est sûrement beaucoup trop forte, vu que là on les a tous tout à 100%. Alors si je fais un petit rendu, on va le voir. L'entrée de jeu, c'est très lumineux, mais vous avez des ombres beaucoup plus sympas. Vous prenez votre lumière de base, et elle par contre, vous allez lui mettre genre 75 d'intensité, 50, jusqu'à ce que vous ayez une quantité de lumière qui soit correcte. Bon bah voilà, par rapport à la distance, on a déjà quelque chose de beaucoup plus sympa. C'est même carrément acceptable. Voilà, donc c'est le premier tutoriel concernant, enfin c'est le deuxième tutoriel, mais c'est le premier concernant l'éclairage. Vous voyez qu'on a déjà quelque chose d'un peu sympa. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez déjà déplacer des cubes pour voir un peu ce que ça donne, leur donner une petite rotation pour voir ce que ça donne, c'est toujours plus sympa. Ça, ce sera vraiment de la composition, c'est ce qui va faire que votre œuvre au final sera sympa. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel-là. Je viendrai très vite avec d'autres tutoriaux où on continuera à la suite de celui-là. C'était DocMixer pour Mainfield.fr. À très bientôt pour la suite.